faire cucurucho de mani. Bonjour MCK. Bravo pour l'espace Marie-Catherine Poissy, un espace très très convivial, à l'image de celle qui tient ce temps d'antenne. En tout cas, tous mes voeux de succès et de bonne continuation. Nous sommes ensemble, comme tu le sais. Alors nous avons démarré les plus belles chansons du monde et nous pensons que nous allons monter en puissance d'une semaine à l'autre, d'un dimanche à un autre dimanche. Chaque dimanche donc à partir de 21h. Et pour la prochaine émission, en tout cas, tu peux l'annoncer dans ton espace. Nous convions les auditeurs à être très attentifs, à écouter très nombreux cette tranche d'antenne qui passe tous les dimanches de 21h à 23h, les plus belles chansons du monde. Il faut qu'ils participent en choisissant des tubes, des chansons qui leur évoquent des souvenirs. Donc, dans le top 5, ce sont les auditeurs qui choisissent librement les chansons qu'ils veulent entendre, qui doivent être programmées pour leur faire plaisir. Donc nous sommes à leur disposition. Avec toi-même, nous sommes en train de réfléchir à, en tout cas, à une possibilité d'aiguiller la culture des jeunes Ivoiriens, Africains et pourquoi pas des jeunes du monde entier. La culture est la vie. Je le dis souvent, le savoir se trouve dans le livre. Donc j'invite tous les jeunes, tous les jeunes de 7 à 77 ans à s'abreuver de livres, à consommer les livres sans modération. Faites en sorte de ne passer jamais devant une librairie sans y mettre les pieds. Et en fonction de vos moyens, achetez un livre ou des livrets. Moi, j'ai un jour acheté un livret comme ça de passage dans une librairie. Je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de la publicité. Le livre faisait à peine 8 pages. Mais je vous assure que dans les 8 pages, un livret destiné aux primaires, aux tout petits, mais je vous assure, j'en ai appris. J'ai beaucoup appris dans ce livre. J'ai dû surligner des mots, 3 à 4 ou 5 mots que je ne connaissais pas. Et j'avoue que ça m'a apporté beaucoup. Avec ta permission, Magis Boula, qui est notre consultant sur les plus belles chansons du monde, passera de temps en temps dans ton espace pour expliquer certaines grandes articulations de notre émission Les plus belles chansons du monde, car nous avons quelques petites idées. Je n'en dis pas plus, je réserve l'exclusivité à Magis Boula qui aura l'occasion de passer dans votre bel espace. Bonne continuation, à bientôt, Soumaro Alpha Yaya.